Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle série enfin sur le jeu et non plus la bêta, Marvel's Avengers. On commence. Normalement tout est plus ou moins déjà pré-réglé parce que j'ai déjà fait un lancement qui était fait en anglais parce qu'il fallait que je télécharge les voix françaises via Steam, je sais pas pourquoi. Quoi qu'il arrive, nous lançons la campagne, c'est maintenant que ça se joue, que tout le jeu se joue. J'ai eu de très très bons retours apparemment sur les ceux qui ont pu avoir accès à la bêta avant à cause des différents temps horaires. J'ai bien envie de la lancer en difficile. On va la lancer en difficile, pas en brutal, parce qu'en brutal je sais que ça va être assez violent. Logo Marvel. J'ai mis les sous-titres pour les malentendants, quels qu'ils soient. Que ce soit les sous-titres de ce qu'on voit à l'écran comme des textes. C'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Mais les Avengers ne sont pas comme ça. Je le sais bien au fond de moi. J'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça. C'est peut-être le signal que j'attendais. Je vais peut-être enfin pouvoir... agir. On voit le pont à bout, regarde là. Oh, il était temps. Oh. Ces sièges sont terribles. C'est vraiment superbe. Oh, je m'attendais quand même à ce que ce pont soit doré comme son nom l'indique. Il y a vraiment beaucoup d'autres enfants. Je parie que leurs histoires sont toutes géniales. La compétition, c'est ce qui nous fait progresser. J'adore son petit... Si vous n'aimez pas mon histoire, ou bien s'ils attendaient autre chose, il faut qu'elle soit parfaite, tu comprends? Oh, quand tu es né, ton frère trouvait que tu avais des yeux globuleux. Quoi? Moi, j'ai trouvé que c'était les plus beaux yeux que j'avais jamais vus de toute ma vie. La relativité. Nous sommes tous uniques, Kamala. Tu devrais être fier de qui tu es. Je t'aime, Apu. Je t'aime encore plus. Et c'est pas une je compétition. Que tu vas gagner ce concours. Non mais. Oh là là, t'imagines? Et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les Avengers contre les terribles lézards des égouts est Kamala Khan. Et la foule m'acclamerait. Voilà, c'est ça l'idée. Mais cool. Promets-moi une chose, que tu gagnes ou non. Oh, je serai quelqu'un de bien à bout. Oh bêta. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est quelque chose qu'on fait. C'est ça, ma fille. Sacrée éducation qu'elle a reçue, la gamine. Oh! Oh, l'atterrissage était violent. J'arrive, j'arrive. Calme-toi un peu. Ce petit badge. Moi aussi j'ai un A sur mon t-shirt. Ah, si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Devenez des légendes. Oh, c'est vraiment génial. Et c'est là où on tombe à légendaire épisode 1. Bon, ça m'étonne. Ok, je dois récupérer mon badge. C'est parti pour le concours d'écriture. Bienvenue au jour des Avengers. Oh, il y a un ghosting. Ah ah, c'est un peu mieux. Putain, c'est prêt quand même. Hein. Salut Abou, pourquoi Abou tu vas parler à des gens? T'es pas une star, hein. C'est pas toi qu'on a... Bah quoi que, des fois je me pose la question. Le bureau des inscriptions. Vendez. Wouhou. Mode photo, oui je sais, je viens l'utiliser pour prendre la première screenshot. Wouah. Oh bah. Heureusement que c'est juste une statue. Ouais, parce qu'elle est pas belle. Bonjour madame. Merci. Ouh, il y a des BD. Il y a des vrais BD. Kamala Khan. Et voici mon père. Abou. Les cannes, bon. Super. N'oubliez pas notre grande chasse aux comics. Récupérez les 5 et vous pourrez accéder au balcon VIP. Une fois que vous les aurez tous, scannez votre téléphone près de l'ascenseur et vous pourrez monter. Vous offrez des comics? Déjà assez de comics. Mais on en a jamais assez. VIP. Il faut que j'y accède. On en a jamais assez. Mais j'espère que je verrai les vrais.
Il y a déjà une chasse aux œufs dès les... Vigilance tactique. Oh putain. Elle a déjà une vigilance tactique. Apparemment, ah oui. Il faut scanner les codes barres pour recevoir le pass VIP. À chaque stand, un comics. Je sais pas par où. Ouh, c'est le truc de Black Widow. Ah bah oui. Le gantelet. C'est pas celui de. Il peut toucher les cibles rouges mais pas les vertes. C'est pour 150 points à gagner. Pas de problème. Allez Marcus. Je ferai le meilleur Black Widow que Black Widow. Je rêve où il y a des mecs qui tirent sur les trucs alors qu'ils sont pas encore apparus. C'est quoi ces tricheurs? Et voilà. Pas mal. Pas mal du tout. On a géré la fougère hein, comme on dit chez moi. Maintenant, à moi. Ok. Suite. Génial, Jacob. V. B. Arcade. Captain America et les Avengers. L'affrontement des super-héros. Wow. Ouh, Captain Marvel. Wow. Mais je veux y aller, moi, Avengers. Wouh. C'est parti. Hulk smash. Alors ça par contre c'est à la limite insultant. Ah. Ouais, ça fait deux. Ok, ça c'était pas trop dur. Ça y est, ça... Pff, arrête de te la péter avec ton casque. Oh là là. Ouh, j'en veux. Je peux avoir du popcorn. Tu m'as vu réussir le jeu du Hulk écrase. À qui tu parles? Ah, il est là. Putain, t'es toute petite. C'est parti! Bonjour monsieur! Oh non. Est-ce que ça va? Non, j'ai déjà ce comics. Dante! Il faut celui de Captain America pour finir la collection. Eh, si tu le trouves en double, on pourrait échanger? Ouais, bien sûr! Super, à plus tard. Mais pourquoi je le rends en double? Pourquoi je le gagnerais deux fois? Ah! Putain, il y a des figurines, des mugs. Ouah, des t-shirts. Et des trucs que j'ai pas. Oh là là. J'y crois pas. Des gants répulseurs. Il faut que j'en essaye un. Il y a plus de... Ah, j'en veux un pareil. Bonjour! Je vois que ça se la pète dès le début! Ah, quelle est donc cette atrocité? Oh. Ah, toutes mes excuses. Tu es toute petite, je ne t'avais pas vue. Quel enfoiré! Rien à craindre de la part d'un fils d'Odin. Ah bon? Même si je comprends. Et l'autre, fils d'Odin? Moyen, hein? Oh, Kamala Khan. Je vois. Et quelle est cette chose que tu tiens? Oh, c'est un rayon muon à haute densité. Un gant répulseur modèle 3. Le premier camp de Tony Stark. C'est pas très net comme image à cause de ses cheveux. Par la barbe d'Odin. Tu es presque aussi intimidante que lui, hein? C'est très drôle. Oui, en effet. Regarde. Voici maintenant une arme qui se passe d'amélioration. Casse pas tout! Non, c'est bon. Oh! J'en suis digne, vas-y, fais péter. Cédera ce marteau, si il ou elle s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. C'est ça. La différence entre les gadgets de Stark et la puissance d'un dieu. Te la pète pas trop. Peut-être. Mais tous les héros doivent commencer quelque part. Non? Oui. Oui, bien sûr. Tu es ma foi bien sage pour quelqu'un de si jeune. Merci. Vous aussi. Bon, c'est Kamala mignon. Khan. Je me souviendrai de ton nom. Oh, j'arrive pas à croire
que je viens de rencontrer le dieu du tonnerre. Eh bah si. Génial. Les comics. T'as pas gardé le... Allez, on se concentre. Ouais, ouais, il me faudrait le rigolo, le comics. Ah. Oh. Je suis Iron Man. Je suis Iron Man. Mais où est-ce qu'il a trouvé le petit marteau? Je crois que le petit marteau, il l'avait trouvé ici. Bah, moi aussi, je veux un petit marteau. Non pas que j'en ai besoin, mais... Bon. Captain America. Mais du coup, j'ai pas le comics Iron Man. J'adore vos cheveux. Vous avez déjà envisagé de les couper? Steve? Merci. Et non, je ne les coupe pas. Bien sûr. Personne ne touche à la crinière de Thor. Ouh. Mais Oh non, il n'y en a plus. C'est le bouclier qu'a utilisé Cap pour frapper Hitler en pleine tête. Quoi? C'est trop cool. Pose-toi de là. Désolé. Ce concours devrait être réservé aux vraies fans. Hé, hey, qu'est-ce qui te fait penser que je suis pas une vraie fan? C'est quoi ce connard? Pardon, mais moi j'avais pas vu le t-shirt vraiment Captain que Marvel. Les Avengers ont lu ta petite histoire. Vas-y, dégage. Mais quelle crevure! Et la presse et le monde entier vous demandent de partir. Restez planté là comme un arbre au bord du fleuve de... C'est typique de Captain America. Et dites non. Vous partez. Hein? Et qui a dit ça? Un vrai fan le saurait. Hein? Ça a l'air d'être typique de Captain, mais ouais. Pour le coup, je pourrais pas dire. On se tire d'ici. Quelle bande d'enflure! Non mais en vrai, quelle bande d'enflure! Ça va pas le faire. Génial. Il y a même plus de comics. J'ai entendu des bottes. Tu sais, pour ce que ça vaut, j'ai trouvé ça très courageux. Tu dois être une fan de Captain Marvel. Elle est pas là, mais elle aurait aimé te rencontrer. Pardon, vous êtes Captain America? Mais non, je suis un mec en costume payé pour l'occasion. Kamala Khan. Khan. Une des finalistes? C'était l'histoire sur les espèces de lézards. Lézards des égouts, oui. Ouais. Ouais. Thor a vraiment aimé celle-là. Ils ont déjà eu un problème de lézards des égouts sur Asgard. Vous avez lu mon histoire? Toutes celles qu'on a reçues. C'est trop génial. Et Cap, on doit retourner sur scène. Tarleton va perdre patience. Tu as vu Thor? Il devrait être là maintenant. Ah, moi, je l'ai vu. Je veux dire, il était là avec Tony Stark. Mais il doit plus être là maintenant. Je l'ai vu s'en aller. Ah, je l'ai pas vu s'en aller, moi. Nat, je te présente l'une de nos brillantes candidates. Oh là 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 là. Khan, notre spécialiste en lézard des égouts. Oh, je vois. Oh, ce que tu m'as fait faire avec cette plaque d'égout, super cool. Oh oui, enfin, c'est rien à côté de ce qui s'est passé entre vous et Madame Hydra. C'était dingue. On devrait retourner sur scène. Ouais, peut-être à bientôt. Elle est traduite Widow. À la prochaine. Black Widow et pas Veuve Noire. Captain America oh. et Black Widow. C'est incroyable. Bon, ça va, c'est pas grave. Et un comics de plus. Putain, c'est complet, hein. La vache. Ah bah, je préfère celui du... Enfin, j'aime bien, je les aime bien tous, mais celui dernier, je l'aime pas. Il manque de bleu, je trouve. Celui qui porte, là, je trouve qu'il manque de bleu. Pardon, mais... Ah, je veux que ce soit une skin. Je veux que ce soit une... Oh, oh, j'ai dû louper tellement de choses. La mode des années 40. Un peu ridicule, mais trop cool. Ouais, tu vas pas te... Ridicule, mais tu vas te calmer? Du vibranium. Wow. Ouais, ou alors une représentation plastique, hein, parce qu'on est un peu plus pragmatique que ça dans la famille. Du coup, j'ai rien zappé de l'autre côté ou...
fera jamais passer ma licence de pilote. C'est tellement cool de piloter un de ces trucs. N'y on est... pense même pas. Ah, t'étais là depuis le début. Carol Danvers, elle était pilote. Et combien de fois son avion s'est écrasé? D'accord. Ça c'est fait. Bien joué, papa, belle répartie. Je viens juste de rencontrer Thor. Il était grand, en personne. Immense. Tu croyais que t'étais allé nous chercher des glaces? J'avoue. Pas là. Elles sont. Commencé à fondre. Alors tu l'as mangé. Qui va à la chasse perd sa glace. Ma glace. Bah j'emmènerai quelqu'un d'autre avec moi sur le balcon VIP. Très drôle. Rejoins-moi au stand du Terrigène quand tu auras terminé. C'est la pire journée de ma vie. T'as bouffé ma glace. Le chimère. C'est un nom intéressant. Ouais, hein. C'est un mythe grec. La chimère combinait les attributs les plus puissants de plusieurs créatures. Et elle ressemble à une femme chèvre. Mais je ne pense pas qu'il se soit inspiré de ça. Ah bon? Moi aussi, je vois très bien l'aspect chèvre. Devine quoi? J'ai rencontré Captain America et Black Widow et ils ont aimé mon histoire et ils l'ont lu en entier, Abou. Je crois que j'ai les yeux fermés. Abou, il s'en fout, hein, ton histoire. Hein. Tu sers le toit pour avoir accès au... Un rendu 3D du réacteur Terrigène capable de produire à peu près un... pas, presque un... des quantités illimitées d'énergie propre. Ah ouais, c'est, vous avez résolu tous les problèmes de... Un comics à chaque stand. Tu dois tous les trouver. C'est génial. Backstage, bonjour. Réservé aux Avengers. Ah ben, bonjour. Ah, ça se voit pas? Non, pas encore. Ah non! Il a posé Mio Mio. Alors que je me lance si je vais récupérer un autre comics. Je peux essayer? Est-ce que je suis Warfit? Est-ce que j'en suis digne? Oui! J'étais presque. Je l'ai soulevé, bah les couilles. C'est déjà pas mal. Voilà ton comics. Merci. Presque. Balcon VIP. Quiconque me voilà. Soulèvera ce marteau, il entrevient, il recevra le pouvoir de Thor, c'est ça? Je sais plus les choses. Ah. Et moi je le manie quand tu veux, Mio Mio, moi. Ah. Pré-comics. Cool, encore des comics. Qui va se ramener cette fois? Ne laisse pas. Ce sont les scientifiques qui sont passés à la télé. Le Terrigène appartient à tous. Ce n'est pas un jouet pour milliardaires. On peut y remédier. Concentre-toi sur ce qui est important. Notre travail va changer le monde, George. Je sais que tu n'aimes pas le décorum, mais je suis sûre que ça va nous aider. Il voudra le pouvoir et l'argent. On le maîtrisera. C'est ton grand moment. Avec l'argent de Stark et ton génie, tu seras un héros pour tout un tas de gens. Réfléchis, on est si proches. Personnellement, voilà. Bruce. Tu as disparu ce matin. J'ai toujours beaucoup à faire. Je sais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Juste un petit problème. Nous avons reçu d'étranges signaux venant du réacteur. George, vous aviez peut-être raison. Nous aurions peut-être dû... attendre avant de le présenter publiquement. Est-ce qu'on pourrait vérifier les chiffres, juste une dernière fois? Ah, oui, certainement. Merci, je suis désolé. Hé, hey, qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, Je suis perdu. Je vois. On va aller retrouver tout le monde, d'accord? Oh, je l'ai déjà. Il est pas méchant. Attends, je peux peut-être échanger celui-là avec le garçon? Ah ouais! Ah, il est là. Salut, gamin. Hé, hey, j'ai eu le comics que tu voulais. Génial, je te l'échange. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Précieuse collection. Je les ai tous. J'ai plus qu'à rejoindre le balcon VIP. C'est bon, je les ai tous. Nous vous demandons que si vous récupérez les 5 comics exclusifs... Je veux une glace. ...vous pourrez accéder à notre balcon VIP pour profiter au maximum du clou du spectacle. Ah bah là, c'est pas un rendu 3D. La taille de ce truc!
Avec des vrais scientifiques qui bossent devant. Poussez-vous. Papa. Directeur Fury. Directeur, ne craignez-vous pas que le réacteur de votre héliporteur ne soit pas capable de contenir ce terrible... T'as encore tes deux yeux. Tiens donc. Nous ne l'aurions pas utilisé s'il y avait le moins... Un futur borgne parle à un borgne. Sachez qu'il bénéficie à la fois de la protection des Avengers et du Shield. Merci. Oh, la fuite. Bruno voudra jamais me croire. Oh, petite, fais attention. Oh. Pardon. C'est pas mal, ça, pour de l'ISO 8. Parce que... Je suppose que c'est de l'ISO 8, mais... Ou alors c'est ce qu'ils appellent le térigène. Ça ressemble quand même vachement à de l'ISO 8. Bref. Même si peut-être que l'ISO 8 est un peu plus cristallin. Je sais pas. Le francium. C'est l'ascenseur qu'il faut prendre pour atteindre le balcon. Il faut que tu scannes ton téléphone. Ah bah oui, c'est logique. Access granted. Je crois que ça veut dire que je peux monter. Mais non. Non, il y a un bout qui allait. Salut les mecs. Vous aussi, vous êtes de vrais fans. Allez. Up we go. Ah non. And way down. Oh, elle fait du moonwalk. Je t'ai vu marcher. Comment ça, Captain America? Ouh! On est si nombreux! C'est le plus beau jour de ma vie. Alors je suis content, Beta. Chut! Tu peux dire quelque chose? Pour bien plus formidable que nous le sommes. Nous sommes aussi ici pour vous présenter une nouvelle source d'énergie non polluante, appelée Térigène. On m'a beaucoup vanté sa puissance. Pour expliquer son fonctionnement, voici l'homme qui l'a découvert. Docteur George Tarleton. Merci, Cap. Capitaine Rogers. Le chimère est alimenté par un nouveau minéral, le térigène. Il y a 3 ans, j'ai découvert une étrange pierre, oui, dans la baie de San Francisco. Après analyse, il m'a paru clair que ce minéral... Bonjour, San Francisco! Une ville formidable! Même si. Oh putain, ils ont mis la vraie musique! Eh merde! Oh! Merci! Oh là là, bon bah adieu les copies. Bonjour les copyrights! Ça fait mal! Ah, ça fait partie du spectacle ou? Faut qu'on parte d'ici, viens! Ça me rappelle vaguement quelque chose. Ça m'a l'air d'être plus qu'un accident. C'est pas un accident. Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Et c'est sûr. Prépare le Quinjet, Nat. Au cas où. Je m'en charge. Tu m'attendais ? Oui, évidemment. Je vais te prendre me rattraper. Commence à devenir intéressant. Ce trash talk. Vite. Je t'ai pas attendu. Thor, essaie de dégager un passage sur le pont. Non. Ça y est, on y est. Il y a au moins 2 personnes armées ici. On a besoin de renforts. Bonjour les mecs. Ah, ça fait du bien. Ah bah. Oui, je connais les. Oh, ouais, oh. Thor, vous en êtes où? Les mortels sont pris au piège. Petits hommes armés et agressifs. Va là-bas, toi. Bonjour. J'aurais dû prendre un petit déjeuner plus consistant. Merci. Thor. Oui, bonjour. C'est moi. Mais je t'en prie. Ils sont coincés derrière ces barricades. Compris. Restez derrière moi. Très bien. Pas de problème. Boum. Ah,
bien s'amuser. Thor, tu as pu identifier nos ennemis ? Ils ne se sont pas présentés. Attendez, ces armes viennent du Shield. Je vais contacter le commandant Hill. Cap, ils ont choisi ce jour pour une bonne raison. Je suis d'accord, Bruce. Je reste dans Chimère jusqu'à ce qu'on ait une idée de ce qui se passe. Et couché. Mais bon, monsieur, j'arrive. J'arrive à trouver le... Voilà. Vous êtes blessé ? Non, juste coincé. Vous avez de la chance, je suis très puissant. Merci. I am almighty, sans doute. Vu que c'est le Mighty Thor. Oh, boom, bitch. Ah, pas de gros mots, c'est vrai. Ah si, quoique, il dit son of a bitch dans les films. Oh ouais. Mais non, c'est pas Thor. Les secours arrivent. C'est raison. C'était nul. Bonjour. Ouh. Ouh. Dieu du tonnerre, qui a dit que tu serais le seul à avoir le droit de t'amuser? Bah oh, c'est mes jouets. Non mais oh. Oh, c'est d'une... C'est grave stylé. Je dois l'avouer, c'était très impressionnant. Ça te surprend? Oh, quelle arrogance, ça me plaît. Oh bah. Attention. Oh pardon, je vous avais pas vu les mecs. Des boucliers, j'adore. C'est pas mal ce petit combo. Ah, faudrait que j'arrive à le... What? Couché. J'ai pas les... Ah d'accord, c'est sur contrôle. Il m'a montré Alt J mais en fait c'est contrôle. Ah ok, bonjour les mecs. Voilà que je modifie ça sur contrôle, sur Alt J pardon, vraiment. On vient de me le confirmer. Un convoi du Shield a été détourné ce matin. Ce serait pas un de ces briefings de Fury que je lis jamais? Tu devrais, Tony, c'est important. D'accord, peu importe. Les roquettes pulsars. Ravi de voir que Fury avait rangé tous mes gadgets au même endroit. Ces roquettes vont déstabiliser le pont. Oui, je sais, c'est moi qui les ai fabriquées. Ah bon? Cap, on n'avait pas compris. Protéger le cristal d'érigène. S'il est touché... Je suis déjà sur le coup. Le docteur Tarleton est en route vers la salle du réacteur. Wouhou! Restez à couvert. Bon, qui est le soldat en carton qui m'a tiré dessus? Salut les mecs avec les boucliers! Avengers, le convoi transporte des prototypes secrets du Shield. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Hill, comment va le chat? Dites à Fury que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je vous tiendrai informé. Et Goose va bien. Ah! Je pensais pas que vous aviez entendu ça. Hop là. Je pensais que ces idiots auraient fait demi-tour depuis le temps. Sympa les effets de flamme, j'avais complètement zappé ça dans la... Ça cache quelque chose. Tellement efficace. Les camions du Shield de tourelle. Alors ça par contre c'est moche. Ah ouais. C'est moi. Comment ça se passe pour toi, Tony? Oh ça va. Tout se déroule la merveille. Dommage. Alors je sais pas si le patch Day One est inclus pour le moment. Il pèse 18 Go, je l'ai pas vu dans le quota. Donc on va excuser le jeu un petit peu vis-à-vis de certaines de ces... Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts, on y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien reçu. À vos ordres. À toi, Bruce.
Oui. On a un code vert. Bonjour. Dégagé. T'es bon? Oh, arrête ton char! Ok, next. C'est pas grave. J'arrive. Si tu m'as indiqué que j'étais pas... Attends, y'a un monsieur qui veut faire un... Ah bah non. Bonjour. Voilà. C'est bon, vous êtes tous Bon, j'ai plus besoin de cailloux. Alors. Ah bon? Dégage. Dégage. Je pensais seulement rencontrer mes fans et manger du gâteau aujourd'hui. Moi aussi. Ou d'une glace. Et j'y ai pas eu droit. Yop. 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 Je croyais que c'était autoguidé, mais non. C'est blindé, fragilise sérieusement le pont. Si on s'en occupe pas, il risque de s'effondrer. Dépêche-toi, mon grand. Il a déjà bien souffert. Oh, les pauvres. Ça, c'est fait. J'ai reçu un succès, leçon de maître. Je le vois. Hulk, je vais atterrir le Quinjet. Ouais, vas-y. Raté. Boom, bitch, get out the way. Bonjour. Hop. Allez, dégage. Allez, mange. Tes inventions sont dangereuses, Stark. Eh, hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. C'était ma voiture! Hein? Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Ok, du monde. Bonjour. Hey. Allez, couchez. Écoutez-moi, le boom. Se fait attaquer. Et boum. Évacuez les civils. Ça va péter. Mais non. Non, 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 non. Ah. Je suis aveugle. Steve, tu m'entends? Nat. Nat. Attaquez les flancs. Pardon, vous êtes là? On a été coupé. Captain, on a un problème. Je sais, Doc. Ils essaient de détourner le chimère. Pas ça. J'avais jamais vu de tels résultats. J'arrive dès que possible. Nettoyage sur l'allée 3. C'est tellement... Salut, toi. Ah, même problème que dans la bêta. Ça, c'est moche. Et
je trompe de bouton par rapport à la bêta. Il va falloir que je change ça le plus vite possible. Ah bon? Oh la tête! Ouh. Ah, c'est pas suffisant! Dalton, allez, bouffe! Dites-moi ce qui se passe! Le réacteur ne se stabilise pas. La structure moléculaire du térigène se présente maintenant sous forme de gaz. Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie. C'est incroyable! C'est pas bon signe, surtout! Salut les mecs! Bouf! Allez, couchez! Le vaisseau va pas tenir longtemps! Je fais de mon mieux! Viens par là! Oh! Tarton! Avengers, vous recevez? Qu'est-ce qui se passe? Avengers, au rapport! Ouh! Ça fait mal! Répondez pas surtout! Le berger? Le berger. Avengers, si vous m'entendez, le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Oh putain. Oh, c'est le bordel. Hey, pas sympa ça. Sonic, c'est une blague ou quoi? Je croyais que l'ONU les avait bannis il y a des années. Allons voir ça. En voilà une entrée. Drôle de masque, le monsieur à l'avant, dit-il sur un ton sarcastique. Taskmaster. Traduit en français, si je me trompe pas, le maître des corvées. C'est triste, hein. Il faut récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Bien joué! Oula, il va y avoir besoin que je... Hop. Salut! Ah bon? Boum! 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 J'avais pas vu qu'il y avait tort, juste là. Ah! Allez, bouffe! La base du pont est sécurisée! Merci, Thor. Hey, bouffe. Bouffe, salut. Les gars, je reçois des ondes sismiques étranges. Hey, bouffe. Tony, le camion. Salut, Tony. Compris. Tu vas arrêter? Une petite fin. Si tu veux. Pas vu la touche F, mais il y a eu un ralenti. Sur le principe, quand tu auras ralenti, je vais appuyer sur F. Ça vaut mieux. La base du pont est sécurisée. Hulk. Les gars, je reçois des ondes sismiques étranges. Camion. Compris. Merci. Ah oui, il y avait un F, effectivement. Derrière la tête de... Merci beaucoup pour le cadeau. Bien, les cheveux. Tu sais, moi aussi. Oula. 30 FPS.
deux. Raté. Ouh, petit enfoiré. Allez, on va faire un tour. Ouh, ça a dû faire mal ça. Dead booty shot. J'ai pas regardé. Je vous jure que j'ai regardé. Aucune. Que j'ai pas regardé. Ah, ah, lapsus. Mais qui est l'app? Tu prends toujours des notes comme d'habitude? Quoi? Ah, bon, plus je me bats, plus t'apprends, non? Des réflexes photographiques. C'est plutôt un manque d'originalité. Ah pardon, le jeu m'a pas encore dit que je pouvais le faire et je l'ai fait par réflexe. Désolé. Allez. Tu le fais plus. Je l'ai pas esquivé celui-là. Ah, je l'ai pas esquivé non plus. Aïe, je l'ai fait. Donc je pense que... Ah! Ah, Marcus! La caméra qui me gêne. Hop les, salut bonhomme! Ah, oh, il est pas content! Ta dernière danse. Je veux juste. Ah oui, c'est vrai. Une dernière danse. Ça doit être frustrant de toujours avoir un train de retard. Tu veux chimère, c'est ça? Et qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Aïe! Le vendre plus offrant? Tu as la recherche de quelque chose de bien plus précis. J'ai pas accès à mes pouvoirs, c'est chiant. Je voudrais pas gâcher la surprise. Couché. Bon, ma santé qui est tombée. Oh non. Ce coup me dit vaguement quelque chose. Ah, deux fois que je me fais avoir. Bon, on reprend et on fait attention. C'est bien de jouer en difficile, mais faut qu'on y arrive quand même. Ça doit être frustrant de toujours avoir un train de retard. Tu veux le chimère, c'est ça? Et qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Le vendre aux offrants? Couché. On va s'énerver un petit peu parce que. Et qu'est-ce que c'est? Couché, te dis-je. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais comme coup? Ah, c'est pas celui auquel je pensais. Je sais pas si ça marche. Salut. Cherche encore des réponses. T'abandonnes? Jamais. Ouh. Raté. Il est rapide l'enfoiré. Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant? Que t'es pas le cerveau de l'opération. Et n'essaie pas de me distraire. Un truc qui va pas au niveau de ton casque. Mais c'est pas grave. C'est quoi le problème? T'aimes pas les surprises? Salut! La prochaine fois, prends de meilleures notes. Boum!
il est. On dirait que t'as perdu, non? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Regarde bien, Romanov. Le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Boum! Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la ville s'effondre. Faut espérer que non, hein. Bon sang, on s'est fait piéger. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Mesdames. C'est le framerate aux fraises! Il y a 5 ans, les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables. Bah oui, c'est de la faute des Avengers, bien sûr. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays. Et alors que le SHIELD et les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, c'est finalement le témoignage du docteur Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoir, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, docteur Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers. Mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver un remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM. Et on peut voir les rangs de l'armée de la Résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du Heyday. Incapable de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux. Allez, vous êtes passés. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Hey, salut. Si tu trouves quelque chose, fais-en une copie. Je te trouverai. Ça m'intéresse. Mm-hmm. Wow, Stark Retro. Stark Retro? What the fuck? Hey, tu as du temps pour parler, Beta? Ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir? Kamala, ah, j'avais pas vu les petites... Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner Guirlande. De tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Bien. C'est très bien. Il y aura des glaces, hein. Et... Oh. Les noisettes d'Iron Man ou les pistaches vertes de Hulk? Aucun garçon. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Oh, qu'est adorable. T'es tellement adorable. Mais tu comprends pas. Alors, j'en étais où? Indice de mot de passe.
premier amour. Quoi ? Allez, Kamala, tu peux le faire. Et quoi ? Logique. Si c'est ce que je pense, c'est logique. Oh non. C'est pas possible. Même le petit bruit des répulseurs, c'est rigolo. Oui. Oui, je dois tout copier. Grâce à votre énorme ego, Monsieur Stark. Quoi ça ? Stop ! Non ! Non, non, non ! Oh ! C'est bloqué ! Putain, heureusement que c'est pas comme ça les virus en vrai. Rouge et or là, la clé, la grosse clé USB. Je suis assez curieux de savoir si c'est pas une clé USB Iron Man. Tu quoi ? J'ai dû taper en plein dans le mille. Wouhou ! Je dois rejoindre le QG et regarder ce qu'il y a sur cette clé. Le QG ? Ouh ! Mais ! Ah oui, suis-je bête ? J'ai changé. Hop là ! Ah non, c'était pas une... Wouhou ! Zipline ! Ah, elle a déjà ses pouvoirs ! Hop les... Hop les... Ok. Alors j'ai pas de clic de disponible pour l'instant. Par là ? Oui ! Les pains volants sont partout. Pardon ? Un comics ! Putain, tout ce que j'ai dû louper ! Cap. C'était une bonne idée. Cap marque the spot. C'est pas mal ! Elle s'élance et ne marque pas. Oh ! Le jeu qui m'insulte ! Un truc pour la renforcer. Hein ? Allez ! C'est presque dommage. Alors, voilà, je comprends l'intérêt de placer un truc pour un tuto. Et voilà. Mais stopper le parcours, c'est presque dommage. J'adore. Réussir ce saut. Ok. De retour au QG. C'est le bazar, mais... Perfect. C'est mon bazar. Zuns. Je le dis. Un PC au bazar ou... T'as un PC au bazar. Damien serait scandalisé par tout ça. Mais d'un autre côté, mon frère se scandalise d'à peu près tout. Regardez ça, s'il te plaît. Si quelqu'un essaye de m'avoir à distance, il risque d'être surpris. Avec mes bras extensibles, c'est la victoire assurée. Ah. Par là. J'ai qu'un sens pour l'enlever. Hop. Hein ? Ok. Ouais, il est bien usé. Je me demande si certains modèles sont adaptés aux frappes super géantes. Ok.
Oh! Je croyais qu'il fallait que j'aille au QG, mais d'accord, le QG il y a. Mon ordi. Oh! Si Abou les avait vus, il les aurait jetés. Ils croient toujours que ce qui m'est arrivé au Heyday est de leur faute. Non. Ah, elles sont bien les figurines et tout, ouais. Encore une note, Jersey City. Alors j'imagine qu'il y a un certain nombre de notes à récupérer dans le... Ça c'est le PC, c'est la finalité on va dire. Mais bon, apparemment on a fait le tour. Ok, direction le PC. Allez, voyons ce qu'on a. Le chimère. Ça vient sûrement des caméras de la salle du réacteur. Docteur Tarleton. Mais il était là alors. Il a dit qu'il y était pas. Vous étiez censé être sur le pont de commandement. Oh Cap. Mais qu'est-ce qui se passe? Cap qui essaie de faire de la science. Trahison. Oh non. Disgrâce. Tarleton l'a enfermé. Il n'y a jamais eu de panne. Il a tué Cap. Oh mon Dieu, il a tué Cap. Quoi? La ballerine? Tiny Dancer. Oh non. Le parc des héros. Je sais pas. Ça ressemble à un gros piège. Ça pourrait être un piège. Ouais, c'est vrai. Mais si c'était pas le cas. Je dois montrer ça à quelqu'un. Réfléchis bien, Kamala. Fournis la preuve et ce sera fini. Ok. Ouh, il y a des drones de partout. Direction. Ouh. Bonjour, George. Non. Je voulais pas descendre. J'entends un truc qui scanne pas loin. Bon allez. Si vous souhaitez évaluer la prestation, mais non. Ok, go. Ok, l'ambiance est pas ouf en fait. Je suis en train de rigoler, mais. C'est la première fois que je vais au parc par ce chemin. Enfin, elle est pas ouf, je veux dire, dans le sens où. Tout droit, j'imagine. C'est pas un moment pour rigoler. L'ambiance est bien faite, au contraire. Commenté à propos du pont de commandement. Qui sait ce qu'il a pu inventer d'autre. Ouais, on a compris, George. Wouhou! Et super glissade! Tu réfléchiras deux fois! Mais non, tout va bien! Ah, non. Hop là. Pas très gracieux, mais j'ai réussi. Surtout que t'es arrivé, surtout. Je dois trouver la statue de Cap.
Salut, le parc des héros. Ça faisait longtemps. Mes parents m'emmenaient souvent ici quand j'étais petite. Alors. Ça là-bas, c'est moche, hein, que ce soit bien clair. Ce que je regardais, c'était voir s'il y avait d'autres statues, mais bon, je pense qu'on va aller voir le long du chemin. On a donc Iron Man, pardon, j'ai tendance à vouloir le dire à l'américaine. Iron Man. La IAM détruit cet endroit pour bâtir leur nouvelle clinique. Quel gâchis. Never forget A.D. Jamais oublié. Stark sucks. Ça, j'ai pas besoin de vous le traduire normalement. Tous des inhumains. Et oh tous la vache. C'est de ça qu'Abou avait peur. La première personne qu'ils ont appelée inhumain. Jessica Yi. Oh, ça fait 4 ans déjà. Pas possible, la première personne devrait être recouverte. Enfin, sur le principe. Elle devrait pas être au-dessus d'autres. C'est... Je dois reconnaître que je m'attendais pas à une telle ambiance dans le jeu. Là, pour le coup, ça fait vraiment jeu solo. Quoi ? Là, au-dessus, il y a un drone. Hulk ! Non ! Que t'ont-ils fait, mon Hulk ? Besoin d'un coup de main, mon grand ? Oh ! Et perds pas la main, Hulk ! Hop là. Cap. Ça fait trop longtemps. Tu vas pas tomber, tu vas pas tomber, tu vas pas tomber. Calme-toi, tu vas pas tomber. Hop. Je voulais profiter un petit peu de la scène, mais j'ai pas le droit. La scène. Oh, c'est Dante. La ballerine. Mes parents, j'aurais cru que la ballerine c'était Cap. C'était Black Widow, pardon. Hey, tu vas où ? Chez moi. Non, il s'appelle Liam. Déjà ? On vient d'arriver ? Hey, t'as soif ? Non, merci. Quoi ? T'es en train de prier ou quoi ? Je prends juste un raccourci, c'est tout, les gars. Un raccourci. Allez, va-t'en d'ici. Hey. Joli briquet. Donc tu veux qu'ils reviennent ? Pour qu'ils puissent tous nous tuer ? Quoi ? Bien sûr ! Non ! Non ! Non ! Non ! Alors quoi ? T'es un fan des inhumains ? Du calme, les gars ! Tu soutiens des sales traîtres ! Des traîtres à quoi ? À quoi ? À quoi ? Ah putain, des traîtres à quoi ? J'arrive à parler. On dirait que t'as une petite copine. Je pense à plein de choses, aux croyances, soi disant, là. Prier, tous nous tuer, traîtres. Pas honte d'aimer des assassins. Je veux juste rentrer chez moi, ok? Non mais où? Mon petit frère était présent au Heyday. Avec son histoire débile sur Captain America. C'était pas la faute de... Tout est de leur faute. Il est devenu violet et bizarre. Et puis ils l'ont enlevé. Hé, hey, vas-y Molo. Zach, calme-toi mec. Il est mort. Arrête. Il est mort. Zach. Il est mort. Allez, dégage. Reculez. C'est l'une d'entre eux. Faut pas qu'elle nous touche. Allez, on se barre. Sa réaction est chelou, elle sait qu'elle a des pouvoirs, mais regardez, elle a du mal à les contrôler, on a l'impression. Encore. Allez, on y va. Ne me touche pas. Quoi ? T'es la ballerine ou pas ? Qu'est-ce que je dois faire de ça ? Mais de quoi tu parles ? Laisse-moi partir. J'aurais juré que la ballerine c'était Black Widow, mais écoute. Si, quoi ? La photo va pas tarder à rejoindre les autres sur ce mur.
Non. C'est un jeu de comment on appelle ça? Pas de discrétion, mais presque. Comment qu'on appelle ça? Pas de la discrétion, mais c'est de l'infiltration. Salut les mecs. C'est pas vrai. Wow. Ils sont partout. Est-ce qu'ils savent qui je suis? Et où j'habite? Part dans l'autre sens? Dans l'autre sens? Dans l'autre sens? Quoi qu'il arrive, moi je cours. C'est ça. On a besoin d'un très triste. Dégage. Je peux m'échapper par ici. Wouh! Oh! Je peux m'échapper par ici. C'est ça. On a besoin de toi ailleurs. Allez, Oust! Oh! Y'a trop de gardes devant. Et si j'allais au parc rencontrer la ballerine? Bah oui! Quelle idiote! Direction, direction, direction. What? Oh, ça a été instantané donc. Bah alors moi je sais où est-ce que je dois aller. Ah, ce serait bien lui qui m'a vu. Ok, ciao, bye bye. Je vais finir par faire un tour complet. Ok. Thor. Ah, la ballerine. Faudrait peut-être que j'aille jusqu'à la. J'espère qu'ils savent pas nager. Bah moi. Soit la prison de la IM. Oh merde. Moi, à la base, ce qui m'intéressait, c'était d'aller jusque... jusqu'à la... Ah ! Ok ! Non, je viens de comprendre un truc ! Me voilà. C'est justement parce que je n'y vais pas que je ne la rencontre pas. Non, c'est encore plus dégueu. Alors, allez-y. Maintenant, je vais avoir de la compagnie. Il coupe par les égouts. Bon, ok, ça se passe plutôt bien. C'est... On passe déjà par le niveau des égouts dans un jeu vidéo, c'est donc un classique, hein, mais. Oups. Ok. Je pensais pas avoir à pousser des poubelles aujourd'hui. La IM a aussi lancé des humains à ma poursuite qui peuvent se téléporter. The fuck ? C'est triché ça ! Moi je peux pas faire ! Zip ! Balancement de la. D'accord, oui, logique. Hop là. Bon bah, c'était facile. Je crois que
C'est bon. Ah, elle veut pas redescendre. Je suis sûr qu'il y avait un secret dans le fond. Non. Par contre, elle est dégueulasse. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué dans la bêta, c'est qu'il ne se salissait pas. Il y avait l'effet de froid, parfois, au niveau des jambes, mais pas plus que ça. Mais, Natacha, pourquoi tu fais ça? C'était clairement Natacha. Hein. Ah non, c'est pas Natacha. J'ai cru que c'était Natacha. Merde. Ah, bien. Tu es réveillé. Non, je suis sale. Je suis désolé. Ces synthoïdes n'ont fait qu'appliquer leur protocole de sécurité. Le vol d'informations privées est... Il a pris trop de... Monica. C'est Feralgan, lui. Laisse-la respirer. Ou de Liprane. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous m'emmenez? En lieu sûr. Excuse-moi. Je sais que je ne suis pas aussi bien que mon homologue holographique. Mais homologue il faut holographique. Bien plaire aux actionnaires. C'est pas la grande forme, hein. Docteur Dalton. En personne. Plus besoin de lunettes ? Pourquoi pirater nos serveurs ? Je ne vous ai rien volé. Alors, qu'est-ce que tu cherchais? Le remède, peut-être. Hein? Un malade? Kamala. L'AIM veut seulement essayer de nous libérer de l'emprise des plus puissants. En toute subjectivité. Un pouvoir illimité, c'est dangereux, voire mortel. Le Heyday en est un bon exemple. Toi, tu as la chance d'être en vie. Mais grâce... à la technologie, nous pouvons les combattre. Nous pouvons te rendre ta vie normale, Kamala. Oui, t'as l'air tout à fait normal comme bonhomme. Bon, j'ai deviné le mot de passe, ok? Je pensais pas du tout réussir. Elle est clairement violente. Son infection a dû se propager. Hein? Je voulais faire de mal à personne. Je sais bien. Mais qu'arrivera-t-il si tu perds encore le contrôle? Qu'arrivera-t-il si tu fais du mal à quelqu'un que tu aimes? Même les Avengers ont souffert de leur orgueil. Et vous y étiez? Je veux dire, quand Cap est mort. Vous y étiez? Elle a pas été assez oui. Subtile. Heureusement, Monica m'a trouvé sur le pont. Sa formule de régénération m'a sauvé la vie. Allez, Kamala, saute le pas, hein? L'AIM peut t'aider. Je vais tenter ma chance. Sans George, rattrapez-la, vite! Bravo, Kamala. Tu viens de révéler que t'étais une inhumaine. C'est rien, ça. Idiote. Il le savait déjà. T'imaginais quoi, hein? Ton scanner avant de te mettre dans la voiture. Devenir une résistante, une nouvelle héroïne. Un nouvel Avengers. Allez, dis-le. 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 Je peux plus rentrer. Ami, à bout. Ça s'écrit avec un seul M. Une blague. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Très bien. Bah oui, prendre le bus, en voilà une idée. L'ancienne base du Shield. La résistance doit savoir quoi faire. Bonjour. Oh putain, ils sont partout. Non merci. Wouhou. Oh. Je croyais que t'avais des bras extensibles, excuse-moi. Ma chance légendaire, les amis. Luta. Ouais, Luta. L'ancienne base du Shield. La résistance doit savoir quoi faire. Vous avez été identifié comme une humaine illégale. Rendez-vous maintenant. Non, merci. Et yop.
Salut les mecs. Hop là, bah non, vous ne m'aurez pas. Ah bah si, vous m'aurez. Eh bah non, vous m'aurez pas. Il faut que je quitte la ville. Hop là. Bonjour. Ouais, nope, dégage. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'est étranglé? D'où l'espèce de perte de sensation? Quoi? Arrêtez-vous! Non! Ninja! C'est marqué ninja! Hop là! Sûrement pas. Le mec sauve sa vie alors qu'il est en mesure de se téléporter! Jack? Aïe! Merci, il y avait un carton! Nouvelle théorie. Je viens seulement de reconnaître un truc, de remarquer un truc. Polymorph, oui, je suis au courant. Ok, il est mort. Oh. Bon, tu le dis. Bah, elle est censée. Pouvoir parer les attaques. Je suis pas sûr qu'elle le fasse. Hop là. Salut les mecs. Pourquoi on donnerait pas à nos nouveaux amis un petit coup de main? Oh, d'accord. Voilà pourquoi c'était obligatoire. Ah d'accord, là alors. J'aurais dû regarder ce que j'avais mis comme sensibilité. Alors arrêtez d'essayer de me tuer. Wouhou. Salut. Bien essayé, mais je me suis beaucoup entraîné. Oui. Du loot. Aïe. Y'a du loot. Je sais pas si elle charge ses coups. Non. Oh bah. C'est pas faute d'appuyer deux fois, hein. Oui. C'est ce qui m'inquiétait le plus. Ah, la caméra est figée. Oh, il m'a eu. Je pensais pas qu'il m'aurait. Ah fuck. Bon après c'est pas vraiment une excuse hein. C'était à moi de remarquer ça plus vite. Framerate, voilà, merci. On va être un peu plus dynamique. On va se dépêcher un peu. Ah, il m'a eu. Vas-y.
Il y avait deux coups, forcément. Le compte deux coups. Hop là. Salut. Non. Sujet 1102. Il peut se cloner presque parfaitement, à l'exception d'une variation dans la couleur des yeux. Les cellules se divisent au centre. C'est la fille qu'on avait vue au milieu de la... Oh, exactement comme le ver planaire, sauf qu'il est humain. Tout à fait. Et il c'est la... Ouais, Jessica Yee, c'est la première. Du sujet original. 0925 génère de puissantes salves d'énergie et il y a au moins 6 sujets avec des pouvoirs basés sur le feu. Nous constituons un arsenal. Le mec s'appelle Cell derrière. Pardon. La puissance. Plus de héros, plus d'erreurs possibles. C'est l'heure de ta nouvelle dose. Je me sens bien. Tu as été dans le coma pendant 6 mois. Tout à l'heure, tu pouvais à peine contenir ta toux. Encore quelques doses de ma formule de régénération, et le traitement sera terminé. Ils allument encore des bougies au pied de cette statue. S'il n'y avait pas ce marteau, je l'aurais détruite. Oublie ça. On ne doit pas savoir que tu t'inquiètes encore au sujet des Avengers. Mes hommes s'en occuperont. Il y a un adaptoïde à lancer. Mais tu as raison. Cette version risque d'être plus... puissante. Elle est stabilisée. Presque. Oh, c'est vraiment incroyable. Ok. Allez. Bonjour, c'est Youssouf Khan. Merci de laisser un message et je vous rappellerai. Hé, hey, Abou. J'ai suivi ton conseil, je suis avec Nakia et les autres à la retraite. Sûr ? C'est à peine croyable, mais il n'y a aucun réseau ici. J'ai dû monter super haut pour trouver cette cabine et pouvoir t'appeler. Enfin bref, t'avais bien raison, on s'éclate. Mais d'accord, il n'y a personne qui est sorti de la voiture, derrière elle. Promis, je serai sage. Je t'aime encore plus. Personne qui est sorti de la voiture derrière elle. Bon allez.
C'est cool d'avoir les sous-titres contextuels, on va dire. Ça permet d'avoir presque une espèce de roman. La seule chance qui me reste. Waouh. Waouh, c'est beau. Je suis assez choqué, c'est beau. Non, je sais que des gens sont passés par là. Bon. Pardon. C'est moi tout craché. Traverser la moitié du pays en écoutant de simples rumeurs. Et c'est tout ce qui me reste. Pourquoi la hyène viendrait jusqu'ici? Dégage! Il y a deux chemins, vous avez vu? Enfin! Autre chose que des civilisation! Rouges. C'est un bon ou un mauvais signe? Bah, civilisation, c'est bon signe. J'ai pris des dégâts pour une chute. What? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La résistance. Ça doit être là, qui sont. C'est sûr que c'est là. Ok. La IM les a trouvés. Capacité héroïque de soutien. Bah. Ok. Elle est pas chargée. Le jeu te balance qu'elle est chargée, mais. À chaque fois que le jeu t'a mis ce menu là, c'est pour te dire utilise la compétence. Et là, blablabla. Bah non, l'utilise pas. Ah bah là elle est chargée. What the fuck. Allez hop. Pouf, mon genou. C'est que ça. Si poison. Déjà ici. Bah. Oh, et... au bal masqué, ouais, ouais. Base. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Elle danse au bal. Ils ont réussi à masqué. Non. Certains ont dû réussir à s'échapper. Ils doivent être encore dans les parages. Elle ne peut pas s'arrêter, ouais, ouais. De danser. Fallait que je la fasse, hein. Merde. Une puissance de zéro. Merde. Bon, de la santé. Du plasma. Il faut que je continue à chercher. Ouh. Ça, si tu le vois pas, tu le sais pas que c'est là, hein. Ah. Hop les... Hop. Oh. Ben, j'ai rien loupé. C'est elle qui choisit de faire des gauches droites comme ça, c'est pas moi. Il faut que j'aille là-haut pour voir où je suis. Bien sûr. Allons-y. Je m'en veux pas à vous. Je me dégourdis juste un peu les jambes. Oh! Ouais, bah là, t'as intérêt à dégourdir, hein! Dégourdi! Ça va être short, hein! Eh, franchement, tu gères la fougère. J'arrive pas à croire. Y'a de l'écho? Fait ça. Ah, c'est cool! C'est du détail, mais c'est cool! Mes parents flipperaient s'ils me voyaient ici. En tout cas, moi je flippe. La caméra est resserrée. Il va se passer quelque chose. Ah ouais, il se passe quelque chose, je confirme. Le chimère. Je les ai trouvés. J'y crois pas. Oh, la synchro labiale.
Donc à mon avis, le patch Day One n'y est pas. C'est parti. What? Ouh. Oh bah. Bravo. Ah bah là, c'est bon. What? Ok. Génial. Ça passe. Bon sang, vous avez vu ça? Non. Je l'ai pas vu, je l'ai fait, comme dirait Bruce Willis. Et Patrick Poivet. What? Y'a des gens qui... non, autant pour moi. Du loot? La résistance. Le divin loot? Dommage. Bon, je casse tout, hein. On est là où il y a la résistance, alors faut résister, hein. Ah! Je pensais qu'il y aurait des gardes à l'entrée. Il va pas y avoir beaucoup de résistance, à mon avis, hein. Et quoi? Quelqu'un. Ouais. QTE? Non, même pas. J'aurais pensé à QTE comme dans Batman. C'est bon, je m'en sors. Bon bah, il y a qu'une seule marche, hein. Oups, la salle du réacteur était en bas. Je devrais sans doute monter. Ah, tu connais bien les lieux. Oh, je dois plus être loin. Ne regardez pas en bas. Ah, QTE maintenant. Ok. Oh, Is, allez. Allez. Je me régale, hein, pardon, hein, mais... Oh, c'est pas vrai. Le pont de commandement. Stremousse. Ouh, niveau 2. Point de compétence. Et ressources. Alors si je voulais, je pourrais mettre un costume. À vous de me dire dans les coms, si vous êtes arrivé jusque là, si vous souhaitez que je mette les nouveaux costumes au fur et à mesure. Quitte à ce que ça rompe un petit peu avec les cinématiques, en fait, tout simplement. Je pourrais lui mettre un costume avec un masque, là, avec un masque à l'heure actuelle, pardon. Mais bon, ça rendrait les choses légèrement différentes. Oh, une carte, quelque chose qui indique où ils sont allés. Sauf si ils ont pas voulu laisser de traces. Ouais, plutôt intelligent. Ça, c'est pas un son auquel je m'attendais. Une carte. Non, ils sont forcément ici. C'est vrai qu'il y a de la poussière partout, pour le coup. Il y a des cigares là. Ouh. Coucou vous. Oh, il n'y avait pas de quoi faire un café? Un café. Bonjour. Ah. Nope, vous n'avez pas le droit. Moi, je check tout le reste, hein. Ok, ça valait pas le coup. Accéder au quartier de l'équipage. Ah, évidemment. Le dialogue qui était marqué était complètement différent. Bzzzt. Y a peut-être un disjoncteur que je pourrais activer.
électricienne de métier. Yamala partie dans les méandres du vaisseau. Le voilà. Je crois que je peux l'atteindre. T'as des bras extensibles! C'est relativement propre en vrai, hein, par rapport à... Après tout est relativement quelque chose, mais... On dirait que ce vieux machin est en train de tomber en ruine. Ou est-ce que quelqu'un tape dessus? Pour me faire peur, peut-être. C'est quoi ça? T'es fixé sur la loupiote, mais... Ah, c'est pas une loupiote. C'est bien ce que je crois. Ah oui, c'est pas une loupiote. Allez, monte. Wow. Comment il peut encore être là? C'est tellement léger. Elle est con. Le Terrigène est vraiment très puissant. Qui est là? Oh non! Mais il est gentil, hein? Mais qu'est-ce que... Il a attendu avant de me taper. Oh. Oh merde! Il est plus rapide. Ah! Il est bien trop rapide. Ça semble important. Ouais. Il est juste derrière. Wouhou! Un monsieur tout vert. J'étais censé aller où? Ah, peut-être que j'étais censé suivre en bas et pas sauter de la plateforme. Oh là 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 là! Marcus! C'est pas... Bon, c'est bien, c'est que c'est pas trop intuitif, du coup, tu dois refaire, mais... C'est un peu gênant, je trouve, de devoir refaire tout le temps. Allez, on la refait. Petit rebond. Voilà. On aurait pu choisir d'aller un peu plus haut. Bonjour! C'est pas comme ça que ça marche. Mais bon. Banner, les lois de la physique sont impénétrables. Écoutez, je prends votre aide, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille! Ah! Mauvaise haleine. Il t'a rien fait! Ah, niveau 3? Ça m'étonne pas que la résistance soit partie d'ici. Ok. Mieux destructible. Juste ça se voit. Cassé, d'accord. Je pense pas qu'on verra la différence. Il doit y avoir un moyen de retourner sur le pont. Hulk aurait déjà dû se retransformer en Dr. Banner. On dirait que je vais devoir me débrouiller toute seule. T'es en train de me dire qu'il peut pas se retransformer? Peut-être?
Bouton. Vous pouvez actionner les boutons clignotants. Un bouton rouge. J'imagine que je risque rien en appuyant dessus. Si Hulk m'entend, je vais le tuer. Vu le bruit que tu fais, y a pas de problème, de ce côté-là, il t'entend. C'était le hangar. J'y suis presque. Tu veux rejoindre le tarmac ? Reste calme, Kamala. Il faut juste que je réussisse à atteindre le supérieur sans me faire arracher la tête. Ok. La chute de Banner. Oh, y'a un Hulk dans le coin ? Oh, secret ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, court-circuit. Il me faut du courant. Bah... Une veste, un bandage et un bracelet. Et un insigne. Ah, d'accord, toujours le tutoriel. J'ai compris ce que c'est que le niveau de puissance, merci. Tu l'as mieux. Ok, puissance 2, très bien. La boîte de jonction. Ok. Ah, voilà pourquoi il y avait une cinématique aussi au passage. C'est bien, ils ont su rendre les choses utiles. Par contre, du coup, moi qui espérais faire un... avoir accès à une zone bonus, c'est pas le cas pour le moment. Et voilà. Maintenant qu'il y a du courant pour le bouton, je devrais pouvoir sortir de là. Je peux pas monter apparemment, très bien. Bon, l'intérêt de chasser les ressources dès le début n'est pas extrêmement grand. À la limite, les comics, c'est plus important. Et les collectibles aussi. Un endroit. Je me demande si ces boutons marchent encore. Je l'ai vu qu'après, autant pour moi. En appuyant sur ces boutons, je déplace ces plateformes. Ah, c'est la suite du niveau, d'accord, ok, très bien, je crois que c'était... Oh quoi, j'essaye, hein, c'est bon. Hop là, salut. Ah. Ah d'accord, ok. Wouh. Je suis passé à côté. C'était dommage. Là où je dois aller. Ah. Si seulement elle avait envie d'y monter. Hop là. Oh elle est bon. Ah enfin un sourire. Elle a un peu moins peur qu'avant. Et là on voit un gros machin vert tomber. Non. Oui. Non, dommage. Il n'y a aucun signe de la résistance. Hulk a dû les faire fuir. Je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Je suis censé faire quoi de cette vidéo maintenant ? Pardon ? Sur le Chimera ? Vous m'avez suivi jusqu'ici ? Oh, c'est vraiment cool. Est-ce qu'il reste quelqu'un ? Oui. Pourquoi ça n'a pas enchaîné ? Parce qu'il veut pas.
Zut. Voilà. Là, il a réussi à, elle a réussi à enchaîner en, en l'air. Ok, cool. Un riot bot. Il pique. Attaque imparable, d'accord. Même pas peur. Tu te doutes bien que je vais pas me gêner pour l'éjecter. Je n'irai nulle part. Encore. Y'a un autre riot bot en haut. Ok, lui ça l'a couché net. Cette clé avec moi. Personne ne m'empêchera. Qu'est-ce que c'est que ça? Grenade flash. D'accord. J'envoie une grenade paralysante. Pardon. Oui. Bonjour les mecs. Un petit chop là ça. Un petit top là pardon. J'ai toujours eu besoin de verdure. Ah ok. C'est nouveau ça. Je suis géante. Allez dégage. Alors je suis géante pour une durée infinie. Semble-t-il. Du coup autant foutre le bordel. Ah non, c'est fini. Merci du coup de main. Attaquez, petit robot. C'est pas à moi qu'il en veut. D'accord, ça me va. Faut que je pense à esquiver. C'est le bordel. C'est génial. Souffre douleur apparemment. Ah non. Ok, vous l'aurez voulu. Ouh, du loot. Le divin loot. Hop. Mais non, t'as pas la tête. Ah, l'utilisation de ses pouvoirs peut-être. Ah, c'est intéressant ça. Oh, tout doucement, tout va bien. J'essaie simplement de te garder en vie. Ok, ok. Mais enfin, ça se fait pas de prélever du sang. Je sais, dans des circonstances normales, non, mais ce ne sont pas des circonstances normales. Oh, c'est pas vrai. Ah, si, tu remarques que c'est Bruce Banner. Docteur Banner. Oh non. L'autoroute 9 est à 30 km de l'autoroute 90. Si tu prends la 90, prends l'arrêt de bus et ensuite tu... Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait peut-être un peu trop longtemps que j'ai pas été moi-même, alors... Ok. Vous êtes là depuis quand? Ça fait quelques années. Ouais. Mmh. Ok, très bien. C'est incroyable. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est pour ça que la IM traque une gamine dans le désert. Comment il balance ça? Pas tout à fait.
J'ai peut-être pris quelque chose sur le serveur de l'AIM. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais, d'accord ? C'est juste, je pense que vous devriez regarder. C'est Alton. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il est en train d'éteindre les protocoles de sécurité ? Ah ! Il vient de... Oui, hein ? Voilà, c'est ce que je pensais. Il a enfermé Cap dans la salle du réacteur et il a tenté de saboter le chimère. Je crois que tu extrapoles. On savait très bien que le réacteur ne fonctionnait pas correctement. Donc peut-être que Cap lui a demandé d'éteindre les protocoles de sécurité et après de fermer non, la porte... Non, je connais par cœur les témoignages du Heyday. Talton et Monica étaient censés se trouver sur le pont de commandement lors de l'explosion. Et c'est pour ça qu'ils s'en sont sortis de justesse. Mais ça prouve que Talton n'était pas sur le pont de commandement lors de l'explosion. Ça prouve qu'il a menti. Et... on peut pas voir la suite. J'ai pas pu la voir. Le reste de la vidéo est corrompu. Ouais... Écoutez... Et si vous aviez été piégé ? Oui ! Talton, l'AIM, ce soi-disant remède... Tout ça, ça tient pas debout. Il y a un truc qui cloche, je le sens. Il y a de l'écho dans le truc. Et moi qui croyais que tu n'étais qu'une petite voleuse qui voulait le bouclier de Cap. Eh ben non. Donc, je me demandais... Monsieur Stark pourrait nous aider ? Je veux dire, le système est basé sur sa technologie. Si quelqu'un peut l'infiltrer, c'est bien lui, non ? Oui. Il y a un arrêt de bus sur l'autoroute 9. Tu vas continuer vers l'ouest. Et en chemin, tu tomberas sur de vieux amis qui t'aideront. C'est l'équipe de Maria. Tu leur dis que c'est moi qui t'envoie. Et ensuite, tu pourras leur faire voir tout ça. Mais enfin, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui va pas, désolé, non ? Désolé, je ne peux rien faire pour toi. J'aimerais, mais je ne peux pas. Vous êtes le docteur Bruce Banner. L'un des plus grands esprits de notre temps. Grands esprits. Regarde-toi. Regarde ce qu'on a fait. Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux. Ça s'appelle la culpabilité du survivant. Parce que eux ont survécu à tout ça. Ils considèrent que tout ça, c'est de leur faute. Déjà parce que lui a survécu. Appelle les gens comme moi des inhumains. Il dit qu'on est malade. Violent. Voilier. Et il dit que notre maladie finira par tous nous tuer. J'en crois pas un mot. J'irai voir Monsieur Stark toute seule. Attends. Tu ? Il te faut un véhicule. Vraiment ? Légèrement instable. Ça, c'est le bonus, un des bonus de précommande de Earth Mightiest, de l'édition Earth Mightiest du jeu. Elle vit sa meilleure vie. Ah, dans le cœur. Alors, vite en putain de merde. Merci Bruce, merci. Tony a stocké le gros du matériel ici quand Stark Industries a coulé.
Et si quelqu'un sait où se trouve Tony, c'est Jarvis. Ce chemin devrait nous mener à l'entrée secrète des archives. Génial! J'adore les randonnées. J'aime ton enthousiasme. Tu portes bien le dispositif de communication que je t'ai donné. Ouais, il est pratiquement invisible. Bon, eh bien les amis, on va se laisser là pour ce premier épisode qui aura duré normalement pour moi plus de 2 heures d'enregistrement. Ça devrait être un peu plus court pour vous vu que je vais sauter quelques passages dans les menus et dans les temps de chargement. Je vous dis à demain normalement pour la suite de cette aventure. Donc on continue sur la deuxième mission de la bêta. Apparemment on a fait le A&D, la première mission de la bêta. Et donc voici la deuxième mission qu'on a déjà pu faire pendant la bêta, mais qui à mon avis sera légèrement tweakée si je ne me trompe pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cet épisode, ce premier épisode. N'hésitez pas à pouce bleuiser plutôt maintenant, c'est la vidéo, à commenter, à donner votre avis. Je vous ai posé une question, souhaitez-vous que je fasse intervenir les costumes des personnages avant... Très étrange qu'ils soient déjà débloqués, c'est les trucs que j'avais débloqués dans la bêta, mais... Que j'utilise donc ces costumes malgré tout. À vous de me le dire et on verra ça ensemble si oui ou non vous souhaitez que nous utilisions ces costumes pendant les cinématiques. Donc ils apparaîtront pendant les cinématiques, surtout ça, la raison pour laquelle je ne les utilise toujours pas, c'est qu'ils apparaîtront pendant la cinématique et donc du coup il est possible que ça puisse en gêner quelques-uns. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous retrouve dès demain pour la suite de cette aventure. Salut les gens et yop !